Depuis juin, il serait près de 400. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des morts. Le 30 décembre, une manifestation de réfugiés regroupés depuis des mois dans un parc est dissoute par la police. Bilan 26 morts. Le 27 mars, deux civils dont un commerçant de la place sommairement exécutés. Le 11 mai, attentat à la voiture piégée. Le 13 juin, les forces de sécurité masquées ont mené des raids contre plusieurs maisons occupées par des réfugiés. Le 17 juillet, la guerre s'étend à l'ensemble du pays où la résistance s'organise. Le 2 septembre, des raids aériens font 16 morts. Et le 19 septembre, l'ONU fait part de sa profonde préoccupation devant la situation. Fait chier l'idée de savoir que profondément préoccupé par les événements tragiques qui ont lieu depuis que je suis enfant et qui ont fait comme d'habitude et depuis toujours de nombreux morts et blessés, on va vieillir en apprenant que depuis juin, il serait près de 400, que ce n'est pas la première fois qu'il y a des morts. Que le 30 décembre, une manifestation de réfugiés regroupée depuis des mois dans un parc a été dissoute par la police. Que le bilan est de 26 morts. Que le 27 mars, deux civils, dont un commerçant de la place, ont été sommairement exécutés. Que le 11 mai, il y a encore eu un attentat à la voiture piégée. Que le 13 juin, des forces de sécurité masquées ont mené des raids contre plusieurs maisons occupées par des réfugiés. Que le 17 juillet, la guerre s'est étendue à l'ensemble du pays où la résistance s'est organisée. Que le 2 septembre, des raids aériens ont fait 16 morts, a-t-on appris mardi. Et que le 19, l'ONU a fait part de sa profonde préoccupation devant la situation. Ça ferait quand même chier de ne jamais voir cesser définitivement l'établissement de colonies de peuplement dans des territoires occupés depuis des décennies. Ça ferait quand même chier de ne jamais voir cesser une fois pour toutes les déplacements forcés de population. Ça ferait quand même chier de mourir en sachant que des combattants continueront d'être officiellement assimilés à des terroristes. Ça ferait quand même chier. Ça ferait quand même chier de mourir en sachant que depuis le début du conflit, des soldats se sont rendus responsables de massacres d'une brutalité inouïe, d'incendies d'habitations civiles dans l'est du pays. Qu'au total, plus de 1330 personnes ont été victimes de viols au cours du premier trimestre dans cette région où les affrontements ont repris, a-t-on appris mardi auprès de la mission des Nations Unies. Ça ferait quand même chier de mourir en sachant que d'autres femmes continueront d'être jugées coupables d'adultère par un tribunal, d'être enterrées vivantes jusqu'au cou, puis... Je ne veux pas mourir avant.